Maladie cœliac, aliments sans gluten. Voilà tous les aliments que les personnes intolérantes ou allergiques à cette substance peuvent manger sans problème. Les oléagineux sous toutes leurs formes. En lait végétal, en purée ou au naturel, craquer sans risque pour les amandes, noisettes et autres noix. À croquer en cas de petits creux à tout moment de la journée. Une recette de financier au pralin sans gluten. Toutes les recettes aux amandes. Toutes les recettes aux noisettes. Les fruits secs. Abricots secs, bananes séchées, pommes et raisins secs. Les fruits secs sont des alliés essentiels de la pause saine et équilibrée. Attention toutefois à certaines figues sèches qui peuvent être roulées dans la farine avant emballage. Le riz. Recette de la tartelette à la mousse au chocolat sans gluten, un allié de taille lorsque l'on est intolérant au gluten. Aliment de base de nombreux pays, il est très nourrissant, surtout complet ou semi-complet, il contient plus de fibres. La farine de riz peut remplacer la farine de blé dans de nombreux gâteaux. Pensez aussi à le décliner en version sucrée. Il existe une forme de riz appelée glutineux qui ne contient pas de gluten. Le terme signifie alors gluant et lié à son mode de cuisson. Attention en revanche au riz sauvage, qui n'est pas du riz, sur lequel l'information n'est pas très claire. Testez la recette des petits pains de riz sans gluten, et d'autres idées recettes sans gluten à base de riz. La pomme de terre. En raison de sa forte teneur en amidon, il est commun de penser que la pomme de terre contient du gluten, ce qui n'est pas le cas. Consommez-la en purée, en galette ou encore en salade. Le tubercule est une source importante de glucides, de protéines et de vitamines. Sous forme de fécule, elle allège les gâteaux et constitue un très bon liant pour les sauces. Attention, l'indice glycémique, IG, de la pomme de terre étant très élevé. Cet aliment induit une sécrétion importante d'insuline et peut favoriser une prise de poids. Toutes les recettes aux pommes de terre. Les produits laitiers. S'ils sont de moins en moins tolérés par nos organismes, les produits laitiers ne doivent pas être forcément bannis du régime sans gluten car ils n'en contiennent pas. Attention quand même au fromage à moisissure de type bleu. L'intestin des intolérants au gluten étant tout de même plus sensible, il arrive que ces personnes soient contraintes de limiter ou arrêter de consommer lait, yaourt, fromage et beurre. Lisez l'interview de Thierry Soucard sur les produits laitiers. Le soja. Et non, il ne contient pas de gluten. Le soja.
ou soya jaune, est très riche en protéines et en nutriments. Vous pouvez le consommer sous toutes ses formes, tofu, lait de soja, ou tonyu, et aussi tempeh, miso ou edamame. Seule la traditionnelle sauce soja en contient. Dommage car elle est de plus en plus en vogue dans la cuisine des restaurants, et les vôtres peut-être. L'alternative est la sauce soja tamari, commercialisée notamment par la marque Lima. Les germes de soja vendus en France sont en général des germes de haricot mingo, aussi appelé soja vert qui est différent du soja jaune. Le chocolat. Bonne nouvelle pour les gourmands, le chocolat ne contient pas de gluten. Méfiez-vous quand même du chocolat en poudre pouvant en contenir des traces, et des tablettes parfois légèrement saupoudrées de farine pour ne pas adhérer à l'aluminium. Pour plus de sécurité, tournez-vous vers des spécialistes comme Darden. On aime la recette de la tartelette à la mousse au chocolat sans gluten. Découvrez toutes les recettes au chocolat, attention certaines contiennent du gluten. Le sarrasin. On connaît tous les galettes bretonnes à base de sarrasin, un véritable régal. Attention, rares sont les restaurants qui proposent des galettes sans sarrasin. Pour des raisons économiques, la farine de sarrasin est souvent coupée à la farine de blé. Si vous êtes en Bretagne, vous avez plus de chances d'en trouver de véritables. Elles sont, par ailleurs, très faciles à faire à la maison. Et si vous aimez son goût particulier, ruez-vous sur le pain des fleurs, sans gluten. Existe aussi à la châtaigne et au quinoa.